Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à deux commentaires de Kamui qui revient sur les histoires de trans et de ladyboy suite à ma vidéo que j'avais faite sur quel pays pour un trans en transition. Alors il y a beaucoup maintenant de trans et de ladyboy qui me suivent, apparemment je suis crédible sur cette thématique. Donc écoutez, je vais continuer. Donc Kamui qui m'envoie comme question: à quand la vidéo sur la méthode infaillible pour ne jamais fourrer un trans ou un ladyboy? Donc comment faire la distinction entre, alors je vais pas dire les femmes normales, parce que les ladyboys ou les trans parfois se voient, s'identifient à des femmes normales. Donc on va parler de, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire les femmes femelles, non. Ah ouais, les appeler les femmes femelles. Et puis d'autre côté, les trans ladyboys, qui peuvent s'identifier à des femmes. Alors vous m'avez compris, il faut bien des mots, il faut bien trouver des mots. Peut-être que les mots sont pas, voilà, femme naturelle ou née femme, ou allez, je vais les appeler femme femelle. Donc voilà. Donc il attend cette vidéo avec impatience. Kamui qui revient à la charge parce que j'ai pas répondu assez vite. Alors Marc, tu penses que t'as déjà fourré un homme sans le savoir, ladyboy entre parenthèses ladyboy? Quelle est la probabilité pour que ce soit arrivé? Question que tout le monde doit se poser, surtout les personnes qui ont fourré en Thaïlande. C'est vrai qu'en Thaïlande en particulier, c'est difficile parfois de faire la distinction entre une femme femelle, née femme, et un ladyboy. Voilà, alors qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Bon, avant de vous dire quoi que ce soit, je vais vous montrer un petit peu Sanur. Vous connaissez mon bureau, hein, je reviens ici assez régulièrement, presque toutes les deux semaines en ce moment. Regardez, ah, il y a du monde, hein. Il est 9h, il fait beau, il fait chaud, il y a du monde. Il y a moins de vent aujourd'hui, je vais pouvoir faire quelques vidéos. Voilà. C'est ma petite vie. Alors si vous voulez moins de monde, hein, vous allez à Chendidasa, vous allez à Lovina, etc. Parce qu'ici, Sanur, ça commence à... Je pensais que c'était que juillet-août, mais apparemment... Même maintenant, on est quoi? On est 24 septembre. Alors, premier élément que j'aimerais dire par rapport à ça... Déjà, il y a différentes catégories de mecs. Ça, j'ai pu noter des grosses différences. C'est assez étrange d'ailleurs. Vous avez les gars qui sont attirés par des femmes, et uniquement des femmes femelles nées femmes. Et de l'autre côté, en fait, vous avez des hommes qui sont attirés par des femmes femelles, mais aussi par des ladyboys. C'est étrange, hein. C'est assez impressionnant. Et dans la catégorie... Alors, disons que des femmes transformées. Et dans la catégorie des hommes qui sont OK avec les femmes transformées, vous avez deux sous-catégories. Première sous-catégorie, c'est ceux qui se disent, et j'étais assez bluffé de ça, qui se disent, moi, tant que ça ressemble à une femme, tant que ça a l'apparence d'une femme normale, pour moi, c'est la même chose, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que la personne, c'est-à-dire que il y a cette sous-catégorie d'hommes qui se disent, voilà, si en face de moi, j'ai... que c'est un homme qui s'est transformé en femme, mais on ne peut plus le distinguer d'une femme naturelle, et ben c'est pareil. J'étais assez bluffé. Alors moi, je suis parti de la catégorie qui a besoin des femmes femelles nées femmes. Rien que de savoir, même si l'individu ressemble en tout point à une femme, mais si j'apprends qu'elle est née homme et qu'elle a vécu une transformation, donc c'est un trans, à ce moment-là, et encore une fois, j'ai rien contre les trans. Mais moi, pour moi, ça va être un traumatisme grave, très grave. Alors, je vais parler parce que parfois, j'ai frôlé la catastrophe. Je peux vous dire, surtout en Asie, faites attention les mecs, hein. On peut frôler, surtout en Thaïlande, parfois difficile de faire la distinction. Voilà, alors, donc dites-moi déjà en commentaire dans quelle catégorie sous catégorie vous êtes. Ok? Est-ce que vous êtes uniquement femme femelle? Est-ce que vous êtes ladyboy? Ok? Et dans la ladyboy, la sous-catégorie, j'ai oublié la deuxième sous-catégorie, c'est ceux, les hommes qui sont ok avec des individus qui ressemblent à des femmes en tout point, sauf qu'ils n'ont pas opéré la transition. Donc ils ont toujours un engin entre les jambes. Et il y a certains, donc ça pose problème. D'autres, ça ne pose pas de problème. Et c'est assez étrange, il faudrait faire des stats. Je ne sais pas s'il y a des stats là-dessus, mais c'est assez étrange cette histoire. Il y a beaucoup d'hommes, hein, qui sont, à partir du moment où ça ressemble à peu près à une femme, sont preneurs.
montre la diversité de, des attirances, des personnes. C'est un monde. Voilà. Après, je pense que c'est difficile, surtout pour ceux qui sont comme moi, c'est difficile de se mettre en situation, de se dire, mais c'est pas possible, comment est-ce que tu peux. Je pense qu'il faut juste écouter, ne pas trop juger, mais dire, voilà, ça existe, faire des stats, regarder les chiffres, et puis agir en conséquence. Alors, pour ceux qui sont visiblement comme Kamui, comme moi, c'est-à-dire voilà, qui sont effrayés à l'idée de... Ah, je rigole parce que je pense à la vidéo sur les trans en transition, où il y a des trans qui m'avaient mis des messages en disant qu'ils n'avaient jamais vu une vidéo avec autant de bienveillance. Alors, j'ai peur qu'ils soient choqués, mais effectivement, moi, j'ai pas de problème avec les trans, c'est que j'en veux juste pas dans mon lit. Donc voilà. Alors, pour les gens comme Camus et moi qui sont effrayés, qui seraient traumatisés, c'est-à-dire, faudrait faire des séances de psychanalyse. Je vais vous raconter les expériences quand j'ai frôlé la catastrophe. Alors, premier élément, donc pour distinguer donc un trans d'une femme naturelle, désolé si je n'utilise pas le bon terme. Déjà, j'ai remarqué que s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Alors, ça ne marche pas dans tous les cas, mais disons que dans 99% des cas, vous voyez quelque chose. Vous dites, la mâchoire est un peu carrée, il y a une petite pomme d'Adam qui ressort, des mains un peu grandes, des pieds un peu grands, la taille aussi, la largeur des épaules, etc. Il y a quelque chose, il y a des ratios. Vous sentez que, voilà, il y a un truc étrange. Si vous sentez qu'il y a un truc étrange, une intuition, vous pouvez pas dire exactement ce que c'est, mais c'est qu'en général, c'est qu'il s'est passé une petite transformation. Alors moi, il m'est arrivé une histoire. Ouais, il m'est arrivé deux histoires à propos de ça. Alors ça c'est la reconnaissance visuelle de loin. Parce qu'après, si jamais vous passez la reconnaissance visuelle et que jamais vous arrivez dans le lit, là, il y a d'autres techniques dont je vais parler un petit peu plus tard dans la vidéo pour essayer de déterminer si on a affaire à un ladyboy ou à une femme femelle. Alors, moi, ce qui m'est arrivé, je me souviens de deux histoires. Première histoire, j'étais à Londres, quand je vivais à Londres, j'allais au meet-up français. Ça, tout ce que je raconte dans les vidéos, hein, ça date de nombreuses années. Hein. Là, on est en 2013-2014, mais je suis sûr que ça existe encore. Hein. La plupart des choses que je raconte sont encore valides. Donc, il y avait le meet-up français. Meet-up, c'est meet-up.com. Donc, c'est un endroit pour rencontrer des gens. Bon, moi, j'y allais... parce que voilà, il y a pas mal d'anglaises et d'étrangères qui veulent apprendre le français, donc c'est un endroit pour pécho juste énorme. Donc il y a plein de tables comme ça, et donc on participe, on parle. Et donc moi j'étais, voilà, ceux qui sont natifs français, ils arrivent et ils se la pètent un peu. Donc position de force, etc. Voilà. Donc j'allais au meet-up français. Et là, je rencontre souvent des nanas là-bas, et puis il y en a une vraiment que je trouve très belle. Vraiment, elle est très très belle, etc. Je lui parle, etc. Et puis, j'ai un petit doute. Alors, pourquoi j'ai un petit doute? Parce que la voix était un petit peu grave. Les mains étaient un petit peu grandes. Elle était grande aussi. Elle faisait 1m78. Je me dis, tiens, c'est vraiment une belle femme. Donc, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute, mais vraiment tout petit, au point que je me dis, c'est pas lui poser la question, tout ça. Et puis donc je demande à d'autres potes qui étaient là-bas, qui venaient au meet-up français, je dis, tiens, regarde cette fille là, machin, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, tu ne penses pas que c'est un mec? C'est un trans. Et là, tous les mecs me disent, mais t'as n'importe quoi, t'es fou, etc. C'est une femme, c'est une femme. Tous les attributs féminins, là où il faut, etc. Les hanches comme ça, les... tout bien. Et puis donc je lui demande à l'époque, je sais pas pourquoi, je lui demande je sais pas s'il y avait le WhatsApp, le Facebook, je me souviens de ce Facebook, et je vais sur sa page Facebook. Ah oui, et je lui demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle me dit, je suis en doctorat, je fais une thèse. Tu vois, tu fais une thèse sur quoi? Et elle faisait une thèse sur les trans, machin. Et tiens, ça commence, c'est coïncidence, tu vois. Puis ensuite, je tombe sur son Facebook, je vois des posts sur comment être un trans heureux, comment vivre... vivre bien comme un ladyboy, comment être, voilà, que des trucs sur les trans, tu vois.
Donc bon, il n'y avait plus de doute. Je lui ai quand même posé la question. Je lui ai dit, tu es un trans. Il m'a dit oui. Et là, rien que le fait, il s'était rien passé entre nous. Mais rien que le fait d'avoir imaginé, il y en a qui vont me dire, Marc, t'exagères, mais je pense que Camus, il peut me comprendre. Mais rien que le fait d'avoir imaginé des choses, parce que quand on rencontre quelqu'un comme ça, on se projette un petit peu, on s'imagine en situation, etc. Et en fait, c'était un mec. Et en plus, je lui ai dit, mais juste à titre de curiosité, j'ai posé la question. J'ai dit, mais tu as fait la transition. Est-ce qu'elle a tout coupé? Elle me dit, non, j'ai pas encore fait la transition. Alors, il y a des mecs, je fais une autre petite parenthèse, quand je discutais de ce sujet, parce que c'est un sujet qui revient tout le temps en Asie, quand je discutais de ce sujet avec des étrangers, enfin des expatriés en Thaïlande, et on abordait ce sujet, il y en a qui ça posait pas de problème d'être avec un trans. Alors, il y en a, c'était dans la mesure où son engin est de très petite taille. C'est incroyable, hein. Tout ça, je sais pas si quelqu'un en parle sur Internet de tous ces trucs-là. Faudrait vraiment qu'il y ait des stats là-dessus parce qu'on serait vraiment surpris. Je pense qu'il y a une très grosse proportion de mecs qui n'ont pas de problème en fait avec les ladyboys. Ça les excite même plus que les mecs, que les femmes femelles. Résultat des courses, donc je lui dis même, il me dit alors, ça te pose un problème? Je lui dis bah ouais, ça me pose un problème quoi. Je dis restons amis. Elle me dit non, j'ai déjà des amis. Et je veux plus. Connaissez ça? J'ai suffisamment d'amis. Donc ça, c'était première fois. Donc moi, j'ai rien passé, voilà. Mais quand même, hein, ça m'est resté. Deuxième cas. Alors là, bon, je sais que vous allez pas me croire, mais bon, voilà. Ceux qui me connaissent un peu, peut-être que vous me croyez. En fait, c'est quand j'habitais à Amsterdam. La première fois que j'habitais à Amsterdam, dans les années 2011, un truc comme ça. Et j'habitais en fait très près du Red Light District. Le Red Light District, c'est le quartier rouge d'Amsterdam, vous savez, avec les vitrines, avec les filles de joie, etc. Donc, moi, je ne suis pas client, en fait. Je sais que vous n'allez pas me croire. Moi, je ne suis pas client. Okay. Par contre, ce que j'aimais faire, c'est me balader dans le Red Light District. J'aime me balader à Amsterdam. C'est très sympa. Je connais toutes les ruelles, tous les endroits un peu secrets d'Amsterdam. Je connais très, très bien. Et donc, je prenais, moi, j'avais l'habitude, je prenais ma petite glace, okay, et je parcourais les rues comme ça, etc. Et puis, je regardais les filles, les nouvelles, les machins, il y en a qui sont très jolies, etc. Et il y en avait une qui était vraiment très jolie, enfin, il y en a plein qui sont très jolies, mais il y en avait une, elle avait attiré mon attention, ok. Et voilà, c'est tout, moi, je leur parle pas, je passe, machin, je souris, bonjour, machin, et puis c'est fini. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai des amis, en fait, des collègues. J'aurais dit, ah, venez, je vous montre un petit peu les petites ruelles que personne connaît dans le Red Light District. Je vous fais un peu le guide touristique. Et donc là, à un moment donné, je les amène, en fait, voir. Je dis, attends, je vais t'en montrer une. Elle est vraiment très, très belle. Et je vous montre, elle est très belle. Et cette fille qui était très belle, en fait, chaque fois que je la regardais, parce que les gens savent pas si vous n'avez pas été à Amsterdam, mais quand vous regardez une fille dans les vitrines, en général, elle vous sourit. Et puis, elle vous montre un chiffre avec les mains. Elle vous met, voilà, combien ça coûte. Donc, en général, elles font comme ça. Elles font, ça veut dire 50 euros, ça veut dire 30 euros, etc., etc. Donc elle monte les chiffres avec les mains, elles font des sourires, il y a une petite discussion visuelle comme ça à distance qui s'opère. Et elles, il faut savoir que elles ont le choix en fait des clients, donc il y a certaines filles de joie. Je ne peux pas donner le nom ici, mais certaines filles de... pour les algorithmes de YouTube, si j'utilise les vrais mots, parce qu'il y en a qui me disent, mais c'est bizarre comment tu parles. Ah oui, mais bon, faut bypasser les algorithmes de YouTube. Sinon, la vidéo, elle passe pas. Donc, il y en a qui, voilà, il y a des filles qui veulent pas certains clients. Donc, quand vous les regardez, qu'est-ce qu'elles vont faire? Bah, elles vont faire ça. Elles vont regarder ailleurs. Comme font d'ailleurs les Françaises dans la rue. Quand vous les regardez, bon, elles regardent ailleurs. On a compris. Vous dites bonjour, elles n'entendent pas. Donc là, cette fille-là en particulier, chaque fois que je la regardais, je regarde ailleurs. Mais donc on vient à trois avec mes collègues, puis on la regarde, elle est belle, etc. Il y en a une qui me dit, elle fait très très belle. On la regarde, pareil, elle regarde ailleurs. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a, ça, elle veut pas de nous, on n'est pas assez bien pour elle. Quoi le problème?
C'est vrai que ça choque, hein. Alors des fois je me disais que c'est un peu une stratégie, c'est-à-dire elles font ça justement pour attirer le mec, tu sais, genre, voilà, on n'est pas assez bien et donc nous on va, je sais pas, se remettre en ambiance de chasseur, tu vois, et je sais pas, il y a peut-être une petite stratégie là-dessus. Et il y a un des gars avec qui j'étais qui me dit mais c'est un mec. Je dis mais arrêtez, c'est pas possible. Et en fait, donc on la regarde fixement. Ah, le truc hein, vraiment qu'on fait pas, tu vois, hein, tu regardes, tu passes, et puis voilà. Là, on la regarde et on reste jusqu'au moment où elle nous regarde fixement d'un air vraiment énervé. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous montre en fait, parce qu'elles sont un peu à moitié nues, tu vois. Puis elle je sais pas, ce geste, elle, c'est pas qu'elle enlève sa culotte, mais elle détache un peu sa culotte, de devant, son string. Et là, on voit qu'elle avait un appareil masculin. Le choc. Imaginez, pendant des semaines, des mois, vous passez comme ça. Ah, elle est belle, hein. Et en fait, c'est un mec. Alors là, pareil, il y a des gars, je suis sûr, qui vont. Dites-moi en commentaire. Il y a des gars qui vont me dire, et alors, tu t'en fous. Elle était belle avant, elle est belle maintenant. C'est juste que tu as. Où est la différence? Ah, c'est psychologique. Hein. Voilà. Alors désolé hein, pour les ladyboys, les trans, si vous interprétez mal la vidéo, mais ici c'est la chaîne de la vérité, c'est une vision de mec, voilà. Si vous voulez intervenir sur la chaîne, vous venez. Enfin, une interview. Mais où va cette chaîne? Donc ça c'était mon expérience. Donc, alors maintenant les techniques. Techniques pour éviter de se retrouver dans des situations catastrophiques et traumatisantes. Alors premier élément, très très important. Alors ça vous pouvez le faire en Thaïlande sans problème. C'est poser la question. Simplement poser la question et dans 95% des cas, elles vont vous dire la vérité. Mais est-ce que tu es un trans? Elles vont pas s'offusquer de la réponse. Vous pouvez même poser ces questions, moi je vois sur Tinder et autres, quand on discute parfois, il y a un petit doute. Posez la question. Elles ne vont jamais le prendre mal. Si vous voulez, vous mettez une petite introduction, dites excuse-moi, je ne veux pas que tu le prennes mal, etc. Mais est-ce que... Parce qu'il y en a, parce qu'il y a des femmes qui sont des vraies femmes femelles nées femmes, mais qui ont un petit côté masculin. Ça existe aussi. Ah, ça m'est arrivé de me tromper aussi. Eh ouais, hein, les amis, c'est compliqué, le monde est compliqué. Donc voilà, pomme d'Adam, on a vu. Hein. Dès que vous avez une pomme d'Adam, une petite pomme d'Adam même, c'est bon. C'est une femme. C'est une femme. Je suis perdu là. C'est un homme, c'est un homme. L'odeur aussi, j'ai mis. Si elle sent le bouc, c'est un homme. Ah, je sais pas ça, si c'est vrai ça. C'est juste que je l'avais écrit. Ah oui, alors maintenant, il y a la catastrophe. C'est-à-dire que tout a été validé jusqu'au moment où vous arrivez dans le lit. Et là, comment faire pour savoir? Alors, j'avais lu un article d'un gars qui s'était marié avec une femme. Et il avait découvert, pourtant il la connaissait depuis 6 mois, il avait découvert après le mariage qu'en fait c'était un homme et qu'elle avait des attributs masculins. Et il ne les avait jamais vus. Alors, allumez la lumière et auscultez l'engin. Allez voir ce qu'il y a. Honnêtement, allez voir ce qu'il y a. En plus, si vous voyez des trucs bizarres, honnêtement, on n'y allait pas. Alors, ça va pas forcément être facile, hein, parce que y a peut-être eu chirurgie, etc. Hein, donc, peut-être que ça va être difficile à voir. Donc là, vraiment le dernier cas, je pense que ça, c'est le truc que les ladyboys ne peuvent pas simuler, parce que même si elle a eu, prenons un cas extrême. Le ladyboy qui ment, on lui demande est-ce que tu es une femme, elle te dit oui. Il ou elle te dit oui. Okay. Tout a été refait parfaitement. Une femme de l'extérieur. Vous arrivez dans l'intimité, elle se dénude. Vous êtes dans la pénombre. Voilà. Vous dites, ah, je vais allumer la lumière. Tu dis, non, je n'aime pas la lumière. Et vous allumez quand même la lumière, vous regardez l'engin. C'est l'engin d'une femme. Il faut dire, des fois, les mecs n'ont pas forcément beaucoup d'expérience. Ils vont voir quelque chose. Parce qu'il y a des gars, c'est leur première fois. La première fois, ils vont voir un truc et ils savent ce que c'est. Yeah, ça doit être comme ça. Renseignez-vous avant. Donc, vous regardez, le truc a été refait admirablement par le plus grand chirurgien. Aucune différence.
Là, il reste un élément. C'est si. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? C'est tester l'engin. Oh là là, ça va loin. Ça va. Non, le truc, c'est que normalement, plus une femme est excitée, plus ça va être mouillé, humide, etc. Mais un ladyboy ne pourra pas simuler ça. Si c'est sec, et que ça reste sec, s'il n'y a pas de variation d'humidité, c'est mauvais signe. Mais après, faut croire qu'il y a des femmes aussi qui ne produisent pas qui sont sèches. Hein. Surtout avec l'âge. Hein. C'est pas du 100% mes techniques. Hein. Mais disons que si vous avez tout validé, honnêtement, si vous avez tout validé, à la fin, j'ai envie de dire, allez à Jacta Est. Hein. Où va le monde? Mais normalement, je vais vous dire, honnêtement, c'est très très difficile quand même d'arriver. Enfin, très difficile. Disons que 90% des ladyboys, ça va se voir. Immédiatement. Ah, c'est pas qu'elles sont moches, mais c'est que ça va se voir. Après, je pense que c'est vraiment à la marge. C'est les plus belles ladyboys qui ont fait la transition, où la transition s'est bien passée, où la chirurgie s'est bien, où ça valide énormément de trucs. Ou la voix, opération de corde vocale, etc. Tout a été fait. Et là, je vais vous dire, même si la ladyboy vous dit, tu sais, avant j'étais un homme, vous n'allez même pas la croire. Mais c'est extrêmement rare. Donc, je vous souhaite de ne pas tomber dessus. Voilà. Sauf si ça ne vous pose pas de problème. Voilà, Camouille, j'espère avoir répondu à ta question. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.